Grazie per la parte. Eh? Bonjour, mesdames, messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis Catherine Suard, le premier conseiller de l'ambassade de France en Roumanie. C'est un plaisir, un vrai plaisir, et aussi un honneur, un grand honneur pour moi, de vous souhaiter la bienvenue en cette célébration de notre fête nationale. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur de France en Roumanie, monsieur François Saint-Paul, et Ariel, son épouse. Monsieur le Premier ministre de Roumanie, monsieur Victor Ponta. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Roumanie, monsieur Bogdan Aurescu. Monsieur le conseiller présidentiel, chef du département de la sécurité nationale, monsieur Jon Oprichor. Mesdames, messieurs, la fanfare de la défense nationale de Roumanie va interpréter les hymnes nationaux et l'hymne européen. Je vous invite à les accompagner. Thank you.
Mesdames, Messieurs, Monsieur François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant du président de Roumanie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le président de la Chambre des députés, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le sénateur de France, Christian-André Froissart, chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier tous de votre présence à cette fête nationale, si importante pour nous, et lorsque je dis nous, je ne dis pas simplement les Français, je dis tous ceux qui sont attachés à nos valeurs communes, qu'ils soient français, qu'ils soient roumains, tant ces valeurs sont importantes dans la relation franco-roumaine, ou d'une autre nationalité. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous aident dans l'organisation de cette fête, et en particulier les entreprises françaises, si présentes et si attachées à ce pays, à la vie économique de ce pays, et pas simplement à la vie économique, mais à ce pays tout ensemble. Ce 14 juillet, le 14 juillet, quel sens lui donner ? Je voudrais vous livrer quelques pistes qui valent à la fois pour mon pays et pour la Roumanie, quelques idées pour montrer que notre devise, liberté, égalité et fraternité, n'a pas vieilli et est plus que jamais d'actualité. Quel sens donner au 14 juillet ? Je dirais tout d'abord le sens du passé, de notre histoire. C'est la volonté de se souvenir d'où nous venons. L'histoire de la France et de la Roumanie, nous le savons, sont étroitement mêlées. Après tout, sans la prise de la Bastille, sans les idées révolutionnaires, sans le Premier Empire, la Restauration, la Deuxième Révolution, Napoléon III, où serions-nous et où serait l'amitié franco-roumaine ? Nous sommes liés, enracinés dans une histoire commune, non seulement par les événements politiques, mais aussi par la culture, par la langue. Ce sont tous ces éléments de cet héritage qui font l'ouverture au monde, notre ouverture au monde, l'ouverture de la France, mais aussi l'ouverture de la Roumanie, pour y être acteur. Le 14 juillet, quel sens lui donner aussi ? C'est le sens du présent. La volonté d'agir et la volonté d'agir pour défendre, assumer nos valeurs. Bien sûr, il y a les menaces qui sont voisines, et nous les connaissons, vous les connaissez. Il y a aussi d'autres menaces qui apparaissent plus lointaines, mais qui sont tout aussi présentes. Ces menaces qui fabriquent l'intolérance. Après tout, ce sont d'abord les idées ou l'absence d'idées qui arment les armes. Je voudrais à cette occasion remercier la Roumanie tout entière, pour les gestes de solidarité dont elle a témoigné à l'occasion des événements qui ont tragiquement endeuillé notre pays. Je veux parler des événements de janvier de Charlie Hebdo. La volonté d'agir pour nos valeurs, c'est aussi dans l'économie. Produire, innover pour partager. Les entreprises françaises font à peu près, les entreprises françaises d'influence française avec des capitaux français, 10 à 15% du PNB de Roumanie. Elles y sont heureuses, elles s'y développent, elles souhaitent se développer plus encore. Le temps est fini où l'on doit opposer un pays à un autre en matière économique.
le temps est fini où l'on ne peut pas penser, où l'on ne doit pas penser en termes de complémentarité. C'est donc vers la Roumanie aussi que nous tournons nos espoirs et nos espoirs de développement pour approfondir encore notre relation. Le sens du présent, la volonté d'agir pour nos valeurs, c'est aussi la culture, le plurilinguisme. Le plurilinguisme est un atout de la Roumanie. C'est ce qui distingue la Roumanie de bon nombre d'autres pays. Ce plurilinguisme, il a ses origines, ses racines, une fois encore, dans l'histoire. C'est aussi un atout pour le présent. La globalisation ne doit pas conduire à l'uniformité. La Roumanie, pour exister dans son âme, dans sa culture, a besoin de cette diversité. Et je ne parle pas simplement pour ma langue. Le sens du présent et la volonté d'agir pour nos valeurs, pour nos projets. Permettez-moi d'évoquer un peu l'actualité et de parler de la Grèce. Ce qui s'est passé sur la Grèce et l'accord auquel l'eurozone est parvenu ne marque évidemment pas la fin des difficultés que nous pouvons connaître. Mais ce résultat montre la voie. Refuser le repli, refuser la fatalité. Qui peut dire que l'euro n'est pas aussi un projet politique ? Que fallait-il faire ? Après tout, lorsque j'ai lu les journaux français et que j'ai lu la convergence d'idées extrêmes et d'opinions extrêmes pour souhaiter que l'on ne fasse rien, je voudrais leur dire merci. Merci de nous avoir rappelé le sens de l'histoire et de nous avoir convaincus qu'il fallait faire quelque chose. Et nous l'avons fait. L'Europe, c'est un projet, c'est un processus, et ce processus doit se poursuivre. La Grèce a besoin de l'Europe, mais comme vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, à déjeuner, l'Europe a besoin aussi de la Grèce. Enfin, quel sens donner au 14 juillet le sens du futur, la volonté de construire ? Juste trois idées. D'abord, pas de liberté sans responsabilité. Et c'est tout le sens aujourd'hui que nous donnons à la COP21. Ce petit signe que vous avez aujourd'hui, c'est ce sens des responsabilités. C'est l'heure des choix. Quel monde voulons-nous pour l'avenir ? Est-ce que nous voulons un monde plus partagé, plus divisé, où les pauvres seront encore plus pauvres, où les premières victimes des accidents climatiques seront évidemment les plus fragiles, ou est-ce que nous voulons plus de société civile, plus de responsabilité, plus de solidarité ? Quel futur nous voulons demain ? Est-ce que nous voulons un avenir où les sociétés civiles seront plus engagées, plus impliquées ? Où ces sociétés civiles participeront mieux, plus, à la construction de notre avenir, ou est-ce que nous voudrons des sociétés qui seront affadies, appelées simplement à se protéger, sans aucun geste de solidarité, sans se tourner vers l'autre. La COP21 est l'heure des choix, et comme l'avait dit très justement le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Deuxième idée sur le sens du futur, pas de liberté sans état de droit. Et je voudrais le dire aussi bien pour la Roumanie que pour n'importe quel autre état ou pour mon pays. Pour construire un état de droit, la justice ne suffit pas. Un effort de toutes les institutions est nécessaire.
Un effort de tous est nécessaire. Lorsque je dis aussi un effort de tous, cela veut dire aussi, probablement, essayer de reconnaître et de privilégier la compétence, donner à l'administration les armes pour se construire, attirer la compétence. Dans la conception que nous avons, l'État, ce n'est pas la classe politique. C'est en construisant une administration que l'on construit un État. Il s'agit d'émanciper l'administration de la politisation pour mettre en œuvre des politiques et permettre au gouvernement d'avoir les instruments nécessaires, dans la durée. C'est très dur, mais c'est incontournable. Après tout, c'est aussi le sens de l'Europe. Qu'est-ce qui distingue nos États européens d'autres continents ? C'est ce sens que nous avons de l'État. Ce sera dur, ce sera long, mais c'est peut-être aussi ça qui peut interpeller aussi la classe politique, parce que les vrais projets sont les projets qui ne divisent pas. Quel sens donner à l'État ? Quelle place donner à l'État ? Quel État voulons-nous pour l'avenir ? Enfin, dernière idée sur le sens du futur, c'est la force des idées. La force des idées, c'est de transcender nos misérables divisions. Seuls les projets fondés sur des idées ne sont pas construits sur du sable. L'effort a besoin de durée. Et pour la durée, il faut l'exigence des idées. L'exigence de la force intellectuelle. À ce propos, et pour conclure, je voudrais vous poser une question, monsieur le Premier ministre, mais c'est une question qui n'a pas de piège. Connaissez-vous madame mademoiselle Marie-Renée Andreescu ? Est-ce que madame mademoiselle Marie-Andrée Andreescu est là ? Venez, montez. Marie-Renée Andreescu a eu son bac avec une mention très bien. Jusque-là, tout est normal. Là où ça devient un petit peu plus anormal, c'est que Marie-Renée Andreescu a eu son bac français, alors qu'elle est roumaine, avec la moyenne de 20,33, et que le centre universitaire de Strasbourg nous a appelés en disant que les ordinateurs avaient un problème. Mais Marie-Renée Andreescu a reçu le premier prix du concours général de philosophie la semaine dernière à Paris. Et Marie-Renée Andreescu est une élève du lycée Anna de Noailles. Voilà, ce que je veux dire, c'est l'avenir de la Roumanie. Nous y croyons, monsieur le Premier ministre, nous y croyons, nous les Français, nous en sommes convaincus. Je crois que vous en êtes le plus vivant témoignage de tout ce que la Roumanie peut faire. Je ne suis pas roumain, mais permettez-moi de me joindre à la fierté de vos compatriotes et de dire que je suis très fier de ce que vous avez fait. Et je suis sûr qu'on entendra parler de vous dans l'avenir. Et en attendant, bonnes vacances. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le message de M. Klaus Iohannis, président de la Roumanie, lu par M. Oprișan. Excelența voastră, domnule ambasador François Saint-Paul,
Stimată doamnă Saint-Paul, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor parlamentari, stimați invitați, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, își exprimă regretul pentru că nu a avut posibilitatea să dea curs invitației de a participa la această recepție, domnia sa fiind într-o vizită oficială. Având în vedere această situație, dar și pentru a da importanța cuvenită zilei de 14 iulie, Ziua Națională a Republicii Franceze, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, transmite cu acest prilej mesajul domniei sale de felicitare. Am deosebită onoare de a da citire acestui mesaj. Îmi face o deosebită plăcere să adresez cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări poporului francez prieten. Ziua de 14 iulie a devenit mai mult decât o sărbătoare a Franței. Pentru toți cei care își dedică întregul efort promovării idealurilor de libertate, egalitate, fraternitate ale Revoluției franceze, 14 iulie este un moment aparte. Franța și România sunt profund legate prin istorie, limbă și cultură, prin numeroase experiențe comune și printr-o afinitate specială construită în decursul istoriei, inclusiv recent. Legătura strânsă între țările noastre își găsește expresia programatică în parteneriatul strategic, formalizat în 2008, dar care reflectă o realitate mult mai veche. Este un cadru potrivit pentru a întări relația noastră bilaterală în cele mai diverse domenii, politic, economic, educațional, energie sau sănătate. Între popoarele român și francez există și un tip de deschidere reciprocă care face posibilă o relație previzibilă bazată pe încredere în beneficiul ambelor țări. M-am bucurat să constat personal acest sentiment de deschidere și încredere cu ocazia vizitei mele la Paris la 10 februarie. Cred cu tărie că relația bilaterală dintre Franța și România poate să consolideze de asemenea și Uniunea Europeană într-un moment în care unitatea și solidaritatea sunt mai necesare ca oricând. Principiul fundamental al Uniunii Europene, solidaritatea, ne cheamă astăzi să acționăm în numele ei și să arătăm că statele europene au puterea de a lucra împreună într-un mediu complex. Succesele acestei construcții europene sunt numeroase și trebuie să recunoaștem și onorăm rolul Franței în acest sens. Franța și-a asumat întotdeauna și s-a aflat mereu în prima linie pentru apărarea principiilor libertății, egalității și fraternității. Acest lucru a fost pus în evidență și recent cu ocazia atacurilor împotriva esenței însăși a acestor valori comise în numele unui extremism transformat în terorism. Atacurile infame din Franța, din lunile ianuarie și iunie ale acestui an, au demonstrat cât de fragilă poate fi menținerea acestor principii, dar au demonstrat și puterea solidarității naționale și europene și au subliniat determinarea de a rămâne fideli acestor principii, libertatea de expresie, libertatea religioasă, respectarea egalității între toți membrii societății. Franța a făcut față admirabil acestor terori și a ieșit în cele din urmă mai puternică. România este mândră de a fi fost în măsură să-și demonstreze sprijinul în aceste vremuri dificile, la fel ca întotdeauna între prieteni adevărați. Așa cum am mai spus, avem o lungă și bogată tradiție de parteneriat și prietenie între România și Franța. Acest lucru mă îndreptățește, cred, că avem în față un drum lung, un viitor în care vom fi împreună, vom împărtăși experiențe și vom face față provocărilor. Dar prietenii buni știu că există un timp pentru a lucra și un timp pentru a sărbători împreună. Astăzi marcăm o mare sărbătoare. La mulți ani Franței de Ziua Națională și trăiască prietenia franco-română. Semnează excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Vă mulțumesc! Mesdames, Messieurs, Monsieur Victor Ponta, Premier ministre de Roumanie. Merci beaucoup, vous êtes très gentil.
Si je me rappelle bien, monsieur l'ambassadeur, il y a un autre premier ministre qui est tombé à la jour nationale. J'espère que je ne vais pas faire la même chose. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, c'est chaque année un grand plaisir et honneur pour moi de vous transmettre, au nom du gouvernement roumain, mes félicitations pour la jour nationale, l'admiration et l'amitié du gouvernement et du peuple roumain. Comme vous avez déjà dit, malheureusement, l'année 2015 n'a pas bien commencé. La tragédie inacceptable de l'attaque terroriste du Charlie Hebdo, et puis la crise des réfugiés de la région méditerranéenne, la guerre qui ne se finit plus en Syrie, l'Ukraine. Mais aussi, il y a de bonnes nouvelles. Et je pense que la nouvelle de l'accord du pays de la zone d'euro avec la Grèce, c'est une nouvelle excellente, pas seulement pour le pays de l'euro, mais pour la Roumanie, pour l'Europe. Et je pense que c'était encore une fois l'opportunité pour tous les leaders européens, avant tout le président Hollande, le premier ministre Renzi, le président Juncker, de dire encore une fois que tous les 28 pays de l'Europe sont importants pour l'Europe. La Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, nous sommes tous dans l'Europe. L'Europe doit exister avec les 28 et seulement ensemble on peut résoudre tous les problèmes de l'Europe. Et le message que les leaders européens ont donné à l'Europe et à le monde entier avec l'accord avec la Grèce, je pense que c'est le message que tous les citoyens de l'Europe, y compris les Roumains, ont entendu. Parce qu'on parle de 2015, j'espère aussi, cette fois, j'espère que j'ai beaucoup plus de raisons d'être optimiste, monsieur l'ambassadeur de la France, monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne, qu'ensemble, en mois d'octobre, on va aller à l'aéroport du Bucarest Otopen, on va mettre une plaque zone Schengen. Parce que je crois que la Roumanie est préparée pour être comme membre de l'Union européenne, membre de la zone de Schengen. Je veux encore une fois souligner que 2015, c'était une année quand même positive pour les relations culturelles, politiques et économiques de la France et de la Roumanie. Si nous avons réussi pour la première fois la Roumanie d'être dans la première position dans un chapitre positif de l'Union européenne, parce que d'habitude nous sommes dans les choses négatives sur la première position, mais heureusement cette année nous sommes allés sur la première position comme croissance économique. Ça, c'est mon devoir comme Premier ministre de remercier à toutes les entreprises françaises qui ont continué d'investir en Roumanie, bien sûr avec Dacia Renault, toujours sur la première position. On va faire l'autostrade, c'est déjà approuvé. Mais à tous les autres investisseurs françaises qui ont prouvé la confiance sur l'avenir économique et social de la Roumanie. Je pense qu'ensemble, on peut continuer de développer notre économie, d'assurer à tous les citoyens roumains, français et européens un niveau de vie, comme on dit toujours, le niveau européen. Monsieur l'ambassadeur, j'ai honte de dire que je n'ai pas connu jusqu'à ce moment Mademoiselle Andreescu, mes félicitations. Mais comme vous savez très bien, je connais, nous avons travaillé ensemble pour ouvrir le lycée Anna de Noailles. Et je connais très bien que nous n'avons pas encore résolu le problème du parking, le maire général est ici, et donc on va travailler le 14 juillet. J'espère encore une fois qu'ensemble, on peut résoudre tous les problèmes. J'apprécie beaucoup le fait que vous avez lié
la fête du 14 juillet avec une idée aussi importante, la protection de l'environnement, le climat. Et je présente mes félicitations au gouvernement de France et je pense que l'Europe doit être toujours un leader dans ce qui concerne la protection de l'environnement. Aussi, j'ai apprécié beaucoup ce que vous avez dit sur l'état de droit. Je pense qu'on doit travailler ensemble, même si nous, en Roumanie, nous sommes un peu en retard au regard de la France. Nous sommes chaque matin au regard de la guillotine. Mais c'est toujours le début. Et puis, je suis sûr que la Roumanie sera, d'un point de vue économique, social, institutionnel, un pays européen. Et l'amitié, l'appui et la fraternité de la France sera toujours le plus important pour la Roumanie. Merci encore une fois. Vive la France, vive la Roumanie. Mesdames, Messieurs, il me reste à vous remercier pour votre attention. Je vous invite maintenant à déguster les spécialités préparées à votre intention par le chef cuisinier de la Résidence de France, avec COP21 oblige, un accent particulier sur les produits issus de l'agriculture durable. Je vous souhaite, nous vous souhaitons tous, une excellente, très belle fête. Să mă ajuți, te rog frumos, că încep să am bună ziua, la revedere.